Whoa, look at all the people! We gotta get up front, we can't see Squat back here! The hour is upon us. Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Genshin Impact, vidéo dédiée sur Ningguang, personnage 4 étoiles Géo, mon personnage coup de cœur. Je l'ai maxi niveau 90 et bien évidemment et les constellations C6, c'est un personnage très polyvalent. Alors, quel build faut lui mettre sur Ningguang, comment la jouer, je vais vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc avant d'en parler, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc c'est parti, alors on commence directement. Alors pour commencer, on va parler de ses aptitudes. Il faut comprendre les sorts du personnage pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc ses auto-attaques qui tirent des gemmes et qui infligent des dégâts géo. Oui, Ningguang est un mage, ça veut dire que ses auto-attaques sont des dégâts d'éléments géo comme tous les mages. Donc si vous touchez un ennemi avec l'auto-attaque, vous allez recevoir une gemme qu'on voit juste ici. Et elle peut en cumuler jusqu'à 3 qui tournent autour d'elle. Et après, quand vous faites une attaque chargée, ça ne consomme pas du tout d'endurance. Ensuite, on a son E, sa compétence élémentaire, le paravent d'Astrolabe qui permet de créer un paravent d'or et infligeant des dégâts géo de zone et qui permet de bloquer les projectiles ennemis, c'est-à-dire les archers, les tireurs Brutocolinus, les gardiens des ruines, ceux qui balancent des missiles explosifs. On a aussi les mages de l'abîme et bien sûr les fleurs mensongères d'éléments pyro ou cryo qui envoient des sortes de boules. Parlons maintenant de l'ultime, éclatement des étoiles. Ningguang fait tournoyer plusieurs jets précieux à tête chercheuse autour d'elle, qu'elle relâche tous en même temps, infligeant ainsi d'importants dégâts géo. Là on a les dégâts par gemme 174%. Ici on a le temps de recharge de 12 secondes seulement sur l'ulti. Et énergie élémentaire de 40 seulement. Autant vous dire que c'est insane à quel point elle peut le spammer. Et que ça fait énormément de dégâts. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous cliquez sur l'ultime, il y a 6 gemmes qui tournent autour de Ningguang. Donc je n'ai seulement que niveau 12. Ce qui fait 6 fois 174%. Alors si je la monte niveau 13, ça fait 185% de dégâts par gemme. Et ça c'est vraiment très très fort sur Ningguang. Mais c'est pas fini parce que si le paravent d'Astrolabe est actif lorsque cette attaque est exécutée, il l'accompagne de tirs de jade supplémentaires. Donc, oui, parce que lorsqu'on lance l'outil, on a 6 jades autour d'elle, en l'occurrence la mienne à 174% qui partent sur l'ennemi. Le mur, enfin le paravent se referme, donc on perd la capacité à bloquer les projectiles ennemis, mais lui-même va envoyer 6 jades autour de sa colonne. Finalement, on n'a pas 6 jades, mais 12 jades qui partent en l'air et qui touchent les adversaires. Et ça, c'est complètement ouf. Donc oui, c'est un personnage très complet, que ce soit en solo ou en coop. Je rappelle qu'elle est géo parce que la moindre interaction élémentaire sur un autre élément va créer des cristaux de bouclier au sol. Alors maintenant, on va passer tout de suite aux constellations de Ningguang. Alors, vous allez me dire, ouais, Ningguang n'est pas un personnage incroyable. Je l'ai eu je sais pas combien de fois, personnage de merde, tier list de merde. Alors moi, je vais vous prouver le contraire. Rien que si vous avez Ningguang constellation 1, là on le voit, fragment perforant. Les attaques normales qui touchent infligent des dégâts de zone. Donc c'est-à-dire que quand vous partez par exemple aux abysses, vous faites vos attaques normales avec Ningguang, donc ça inflige des dégâts de zone. Donc ça pète de partout. Donc ça c'est
très très fort sur elle. Ensuite, on a la constellation niveau 2. Effet de choc, le temps de recharge de paravent d'Astrolabe est annulé lorsque ce dernier est brisé. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 secondes. C'est-à-dire que quand vous balancez votre paravent et que le paravent se brise, donc vous pouvez le réutiliser. Et ça se déclenche une fois toutes les 6 secondes, y compris quand vous faites votre ulti. C'est-à-dire, vous balancez votre paravent, vous balancez votre ulti, donc le paravent se réinitialise en balançant les gemmes aussi qu'il y a autour de la colonne, donc ça réinitialise le paravent, vous pouvez l'utiliser encore une fois. Donc très très fort sur le C2. Alors, maintenant on va passer sur la constellation niveau 3, donc ça augmente de plus 3 son ulti éclatement des étoiles, très bien. Ensuite, constellation 4, le paravent d'Astrolabe, donc ça augmente la résistance élémentaire des personnages à proximité de 10%. Bon, sa constellation 4 est pas top, mais c'est très bien si on part en coop. Ensuite, constellation 5, donc ça augmente son niveau de compétence de sa compétence élémentaire. Et le summum, constellation 6 sur Ningguang. L'activation d'éclatement des étoiles confère 7 jades d'étoiles à Ningguang. Donc c'est complètement craqué. Donc c'est-à-dire que quand vous balancez votre ulti, Ningguang elle confère 7 jades d'étoiles autour d'elle en plus. Donc c'est-à-dire vous faites votre attaque chargée. Ça lui balance les 7 jades, donc ça fait des dégâts incroyables. Donc là, vous pouvez pas me dire que c'est un personnage complètement useless. Hein. C'est un très très bon perso géo. Ensuite, on va parler au niveau de ses armes. Donc je lui ai mis l'origine des 4 vents. Donc niveau 90 en main stat, taux de critique 33%, attaque de base 608%, donc elle bénéficie une vitesse de déplacement de 10% et ça lui confère un bonus de dégâts élémentaires de 8% toutes les 4 secondes tant que le personnage est en combat. Donc ça peut se cumuler jusqu'à 4 fois au maximum, jusqu'à temps que le personnage soit vaincu ou quitte le combat. Donc ensuite il y a un autre catalyseur pour Ningguang. Donc je pense que c'est le catalyseur que vous avez dans le Battle Pass, je ne sais plus le nom. Dites-le moi dans les commentaires. Donc pour moi, l'origine des 4 vents et le catalyseur du Battle Pass est franchement est très très bien sur Ningguang. Donc si vous avez d'autres catalyseurs, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, on va parler, on va regarder directement au niveau de ses attributs. Donc j'arrive à 2200 d'attaque, 18000 d'HP. Et on va regarder ici plus d'infos. Donc en toute critique, je suis à 57% grâce au catalyseur. Et dégâts critiques 172%. Et en bonus de dégâts géo, donc j'arrive à atteindre les 117% de dégâts géo. Donc ce qui est énorme. Donc pourquoi j'arrive à les 117%? Donc on va aller sur les artefacts. Hein. Donc je vais vous montrer déjà pourquoi j'ai autant de bonus dégâts géo. Et au niveau de la coupe, voilà, bonus dégâts géo 46%. Donc au niveau de ces artefacts, hein, je lui ai mis Rideau du Gladiateur, donc ce qui augmente l'attaque de 18%. Et combiné avec deux pièces, bonus de dégâts géo de 15%. Voilà, je l'ai buildé comme ça, donc c'est très très fort hein, sur Ningguang. Donc si vous n'avez pas les bonnes stats sur le set de Glad, je vous conseille l'ancien rituel royal. Donc vous voyez ici, donc ça augmente les dégâts infligés par le déchaînement élémentaire de 20%. Voilà, vous pouvez lui mettre ça à la place du 2 pièces de Glad. Voilà, si vous n'avez pas les bonnes stats. Donc, si ce qui reste viable sur dégâts géo et 2 pièces ancien rituel royal. Ensuite, on va parler quel team je vais builder. Donc, je lui ai mis double résonance géo et double résonance pyro. Pourquoi? Parce que quand on va dans résonance élémentaire, donc au niveau de la résonance géo, donc ça augmente la force du bouclier de 15%. De plus, lorsqu'un personnage est sous la protection du bouclier, donc les dégâts infligés par le personnage augmentent de 15%. Et en plus, la résistance géo de l'ennemi diminue de 20% pendant 15 secondes. Donc ce qui est fort en résonance élémentaire. Pour la plupart des joueurs, vous connaissez très bien la résonance pyro, donc ça augmente l'attaque de 25%. J'ai mis Noël parce que j'ai pas Chongli et ni Albedo. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je préfère jouer sur la résonance élémentaire. Et j'ai mis Xingyang pour être safe avec Ningguang parce que Xingyang elle a aussi un shield et Bennett pour le burst. Voilà, pour l'attaque. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas Xingyang, vous pouvez lui mettre Changling et Noël, ben voilà, Chongli ou Albedo, ce qui est très bien. Donc je vous conseille ces teams là. Sur ce les amis, je vous laisse sur son showcase. Voilà pour cette vidéo dédiée à Ningguang.
J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Du coup, on se retrouve pour d'autres contenus sur Genshin Impact. Je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.